Je suis sûr. Je suis sûr que chacun de vous est venu pour écouter une chanson. Sa chanson. Manquez-moi, je suis comme vous, quand je vais voir un copain en concert, j'attends toujours ma chanson. Alors je me dis, il va la mettre, il va pas la mettre. Parce que c'est, il y en a tellement que s'il fallait tout mettre, ça durerait 6 heures. Alors voilà ce qu'on va faire. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous demander là n'est pas aussi évident que ça. Sans vous concerter. Sans même vous regarder. À mon signal, vous allez chanter très fort la chanson pour laquelle vous êtes ici ce soir. 1, 2, 3. Bon, on n'est pas couché là. Alors voilà ce qu'on va faire. On va procéder par époque. C'est plus facile pour se repérer, hein. Quand on commence dans la chanson, on commence toujours par écrire des chansons d'amour. C'est normal, on est jeune, on aime énormément. Surtout celles qui disent oui, d'ailleurs. Mais comme vous connaissez tous ma réserve et ma timidité, c'est pas gentil, ça. C'est pas sympa. Vous savez très bien que je suis très timide. C'est terrible, ça. Le malentendu avec moi est terrible. Il ne me croit jamais. Alors que je ne mens jamais. Oh, croyez ce que vous voulez, finalement, c'est la légende. Rentrons dans la légende. Enfin, toujours est-il que j'étais timide ou pas timide, mes premiers textes d'amour ne brillaient quand même pas par leur originalité. Vous me direz que pour tout le monde, l'amour, finalement, c'est pareil, que depuis le temps qu'on en parle, on est un peu arrivé au bout du dictionnaire des rimes. Amour, toujours, tambour, topinambour, elle court. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court. Thank you.
Vous chantez très bien. Et là, je ne mens pas, je ne passe jamais de pommade. Alors évidemment, après la maladie d'amour, c'est normal, j'ai pris confiance. J'ai lancé le bouchon un petit peu plus loin. Et mourir de plaisir. Poser les mains sur un visage, vouloir et ne pas oser, au risque de tout briser, souffrir à force de s'étreindre et se confondre dans la nuit, souffrir sans gémir ou se plaindre sans un cri. Les femmes ont changé d'un coup. Elles ont pris les commandes. Laissez-moi rire. Elles se sont affranchies. Mais comme si ça faisait 12 000 ans qu'on les avait attachées sur le radiateur, là. Tiens, tenez, ma femme, par exemple. Je vous en prie, nous sommes filmés. Hein? Laquelle Anne-Marie? Vous pourrez, je me mêle pas de votre vie à vous, moi. Vos maîtresses, vos femmes, vos petites amies, vos petites copines, hein? Ça va? Parce que je vous connais, hein, là, dans la salle. Il y en a quelques-uns qui... Bref, ma femme, elle a fait ses enfants de son côté, moi j'ai fait les miens de l'autre. La liberté, quoi! La liberté, c'était quand, d'ailleurs, j'avais fait cette... 80? Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Aux femmes des années 80, moins Colombine qu'Arlequin, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Être un PDG en bas noir, sexy comme autrefois les stars, être un général d'infanterie, rouler des gamelots conscrits, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être un fricou pompier de service et donner le sein à mon fils. Alors je me suis dit, je chante jamais le deuxième couplet parce que je l'ai jamais su. Ça, vous le savez, d'ailleurs, ceux qui me connaissent un peu savent que le deuxième couplet, ça... C'est vous qui le chantez d'ailleurs en général, le deuxième couplet, je ne le chante pas. Alors je me suis dit, quitte à être libre, autant se lâcher. Et là, ma petite poupée, je me suis lâché. Je veux l'épouser pour un soir, mettre le feu à sa mémoire, l'épuiser d'amour et disparaître dans la nuit. Est-ce que je pouvais être con quand même à cette époque-là? Con et prétentieux, mais c'est fou ça. Quand je réécoute cette chanson, mais je me rendais pas compte. J'étais nul. C'était d'un machisme épouvantable. Et disparaître dans la nuit, comme un voleur, comme un bandit. Je veux l'épouser pour un soir, et l'oublier un peu plus tard. Je voudrais aimer une enfant,
une fiancée de hasard, une fille assise au premier rang, dans un concert de quelque part. Ça, si vous en faites tous, c'est bien. Ça, c'est un fantasme, et ça restera un fantasme. Ça n'est jamais arrivé. Non mais, qu'est-ce que vous imaginez, là? Où vous allez, là? Hein? Qu'est-ce que vous croyez, qu'à la sortie du concert, elles sont là étendues sous les roues de la voiture? Oh. Elles s'en foutent! Après le concert, moi, je vous le dis, elles s'en foutent! Bah, écoutez, j'y étais dans le parking, il n'y avait personne. Ah, ça, elle commente. Ouh, là, pour commenter, ça commente. Ouh là 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 là, il a vieilli, il a grossi, il a blanchi. Ça, qu'est-ce que vous voulez, je fais ce que je peux, mais... C'est pas de la vraie... Enfin, c'est une sorte de poudre que je mets, mais je le perds le matin dans la douche. Et alors, si jamais je mets de la teinture, je ressemble à une crème brûlée, donc c'est... Non, pour en revenir à la fiancée du premier rang, si ça avait existé, vous pensez bien que, orgueilleux comme je suis, je m'en serais vanté. Hein? Va faire pâlir tous les marquis de Sade, va faire rougir les putains de la rade, va faire crier grâce à tous les échos, va faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. Va faire flamber les enfers dans tes yeux, va faire jurer tous les tonnerres de Dieu, va faire dresser tes seins et tous les saints, va faire prier, supplier nos mains, je vais t'aimer. Là, je vous attends. Cela dit, vous avez du mérite parce que c'est pas de la tarte, celle-là. Hein? Je vais boire un coup, du coup. Tiens, vous m'avez donné soif. J'en ai une. J'en ai retrouvé une très ancienne. À mon avis, vous allez avoir du mal. Ah. Parce que même moi, j'ai du mal. S'il y a des mots qui t'ont fait pleurer, mon ange. Moi, je m'en vais. Te souviens-tu d'un slow 10 ans plus tôt? Déjà 10 ans, tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. Je ne sais plus comment finissait la chanson, j'ignorais qu'elle avait un nom. C'était la chanson du bonheur d'un vieil amant compositeur. Quand j'étais petit, non, quand j'étais petit, je ne suis pas très grand, mais enfin, j'ai été plus petit que ça quand même. Quand j'étais petit et que le général de Gaulle passait à la télévision, mon père l'écoutait debout. Alors qu'on le veuille ou non, évidemment, ça influence.
Je fus donc un chanteur de droite. Oh, il n'y a ni à applaudir ni à siffler, croyez-moi. C'était plutôt essuie-glace comme... Quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises sur un quai de Californie. Quand je pense à la vieille anglaise, j'envie les épaves englouties, long courrier qui cherchait un rêve et n'ont pas revu leur pays. Ne m'appelez Je sais que pour les puristes, ce n'est pas dans la tonalité originale, mais enfin, à 59 ans, j'ai le droit de respirer un peu. Bon, là, couper le tout. Là, on arrête de déconner, parce que là, je le prends très mal. J'ai 59 jusqu'au bout. Si jamais, je devais atteindre 75, on dirait 64. Voilà. Je ne veux plus jamais qu'on me fasse le côté surprise, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Oh non. Oh non. Félix. Ça te fait rire, toi, en plus. Alors, j'avais beau être sous l'influence du général, j'avais quand même un gros problème avec lui, moi. C'est que je pouvais pas piffer l'armée. Ah, mais alors, pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivé un beau matin du mois de mai, avec à la main les beignets que ma mère m'avait fait. Ils m'ont demandé mon nom, mon métier, mais quand fier de moi j'ai dit artiste de variété. À ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. La fleur du régiment avait un cœur de troubadour. Alors évidemment, les chansons engagées, j'en ai fait beaucoup. Il y en a beaucoup. Avec de la Noé, par exemple. Non, non. Pas celui-là, l'autre. Pierre. Mais finalement, j'ai pas très envie de chanter politique là tout de suite. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une chose très amusante, c'est que la chanson qui m'a valu la plus mauvaise réputation, c'était une chanson qui n'était pas du tout engagée. Bah oui, c'est pas un film. Ils sont bienvenus, non? Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin?
Un gars venu de Géorgie. Est venu mourir en Normandie un matin où je n'y étais pas. Non, j'ai pas envie. Franchement, j'en ai un peu marre en ce moment de la politique, non pas vous? Oh, moi, j'ai dévissé ma parabole, moi. Ah ouais. J'en peux plus, là. Je la remontrerai le 6 mai. Hein, croisons les doigts. Ne manifestez pas trop, restez zen. Peut-être comme... Ah, mais en 2012, qui sait? J'aurais fini mon contrat chez Universal, je peux signer à l'Élysée, hein. Non, non, restez zen, regardez le petit comme il est calme. Vous avez remarqué? Alors qu'il est nerveux comme une torpille. Comme une torpille, bien. Bien lancé, il défonce un destroyer, hein. Mais là, il est là, chère madame. Mais je vous en prie, mais oui, il faudrait se calmer. Ah, et on dit que c'est nous qui faisons le spectacle, enfin. Bon, je préfère chanter Voyage. Bon, j'ai fait 3 fois le Paris-Dakar, 3 fois j'ai cramé en Mauritanie. Donc, je n'ai jamais vu Dakar. Mais je peux vous dire une chose, le désert n'est pas désert. Non. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Le ciel est si bas sur les nues que l'on croirait toucher la lune, rien qu'en levant les bras. Comme un incendie sous la terre, les aurores ont brûlé les pierres, blanchi les toits de Gardaïa, voilés pour ne pas être vu, cerné d'un silence absolu, vierge de pierre au corps de Diane. Les femmes ont pour leur lassitude des jardins clos de solitude, le long sanglot des musulmanes. Merci pour les you-you. Et puis, j'ai eu la période Amérique à Broadway. Quand on fait la java le samedi à Broadway, ça swing comme un melon. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bourbon. C'est peut-être pas là, vrai de vrai, la java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire les bordées sur la 42e. On rigole et on lance comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est même pas là, vrai de vrai, la java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Je vous parlais tout à l'heure de mon père, debout devant la télé de De Gaulle, qui se faisait insulter par ma mère d'ailleurs, qu'il trouvait ridicule. Elle a toujours voté l'inverse de lui, rien que pour l'emmerder. Vous comprendrez que je ne peux pas faire l'impasse sur les chansons qu'ils m'ont inspirées tous les deux. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons.
de parler du mauvais temps. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté. Lessivé. Quand j'ai avoué à mon père que je souhaitais quitter l'école pour devenir artiste, il m'a demandé d'aller faire ma valise. Il a ouvert la porte et il est d'accord, mais à condition que tu en vives. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Pour rien, je vole. Lui et moi, nous nous sommes fait connaître tous les deux par une chanson. J'aimerais vous chanter la sienne en entier avec tous mes musiciens. Pour le remercier,